Bonjour à vous, jeune pousse de Crucifère. J'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on va réviser ensemble des flashcards santé accompagnées de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon vulgarisée et ludique. La première flashcard issue de notre deck santé concernera Alpha Mosso Collagène et la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, concernera les bêta et alpha glucane. Ça va, on est bon? C'est parti! C'est quoi le collagène? Le collagène, c'est une protéine qui forme des fibres du tissu conjonctif qui jouent un rôle crucial dans la formation de construction de fibres dans le tissu conjonctif, ce qui permet la résistance, voire la résilience de notre organisme, que ce soit au niveau de la peau, des os, même des vaisseaux sanguins, etc. C'est très vaste. Ce qui est hyper important sur le collagène, et vous allez voir, c'est vraiment mnémotechnique, je trouve. Attention, roulement de tambour. Le collagène est la protéine la plus abondante du corps humain. Je répète, le collagène est la protéine la plus abondante de notre corps. Je crois que entre 30 et 40% des protéines de notre corps sont du collagène. Je crois que c'est 34 ou 35% précisément, mais je suis pas sûr, donc je dis 30 à 40% pour être sûr. Au niveau étymologie, ça peut être aussi mnémotechnique, bien que ça n'a rien à voir avec le gluten. Le côté collant, gluant, m'y fait penser, vous allez comprendre tout de suite. Je crois que du coup, le préfixe collagène, cola, signifie coller ou colle. Dans le gluten, c'était glu, là c'est colle, c'est pour ça que ça me fait penser en fait au gluten. Juste au niveau de la texture en fait. Juste ça, sinon ça n'a rien à voir. Donc cola, colle, et le collagène justement a tendance à avoir une texture collante, gélatineuse, après cuisson. J'ai tout de suite en tête la fameuse image du bouillon d'os que vous connaissez sûrement aussi. C'est en fait une recette de grand-mère en soi, hein, qu'on appelle aussi des fonds en cuisine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre en pratique? Ben c'est très utilisé, hein. Dans le milieu hospitalier, je sais que c'est utilisé, mais je sais pas de quelle façon. En tout cas, c'est étudié pour réparer les tissus des patients. Mais comment, ça, je sais pas du tout. Ensuite, on a encore plus parlant, je trouve, en pratique, c'est la consommation de compléments alimentaires, de collagène. Bon, je critiquerai bien ça, mais je suis pas assez calé dessus pour donner mon avis perso. Mais bon, sinon, d'un point de vue nutrition et culinaire... comme je l'ai abordé très rapidement avec les bouillons d'os, le collagène est quand même pas mal utilisé, même si selon les utilisations, on peut l'utiliser sans savoir vraiment que c'est du collagène, hein. Les fonds de sauce, c'est ça en soi, hein. Beaucoup de cuisiniers ne savent pas ce qu'est le collagène, bien qu'il soit présent de façon assez significative dans certaines préparations, avec ses effets... au niveau de la texture qui peut contribuer, hein, je pense même, alors là je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance, hein, mais que souvent la gélatine de porc, je pense que c'est justement du collagène. À vérifier, hein, mais ça m'étonnerait pas. Moi ce qui m'intéresse beaucoup sur le collagène, c'est de savoir les sources principales et diversifiées, comme par exemple pour ceux qui ne consomment pas de viande, comment ils pourraient apporter le strict minimum de collagène pour leur organisme. Et aussi de connaître toutes les substances qui impactent direct ou indirectement le collagène, que ce soit au niveau de sa synthèse, de son recyclage, s'il y a. Enfin, tout ça me paraît hyper intéressant. De souvenir, je pense que la première fois qu'on l'a vu en flashcard, je pense que l'IA avait abordé certaines substances, je crois que c'était des minéraux, ou des acides aminés, qui permettait, alors je sais plus trop ce que ça faisait, peut-être que ça augmentait la synthèse de collagène, je sais plus. Mais voilà, en gros, le collagène, c'est ça, quoi. C'est une protéine, la protéine la plus abondante de notre corps. N'oubliez pas, c'est mnémotechnique. Et son rôle principal est, grosso modo, de soutenir les tissus conjonctifs. Et petite parenthèse rapide, c'est certes bon pour les os, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Même au niveau cérébral, c'est hyper intéressant. Donc on pourrait même aussi voir avec l'IA, si j'oublie pas, d'aborder le collagène, du moins ses vertus,
d'un point de vue cognition. D'ailleurs, je suis en train de penser, maintenant que l'IA fait un rappel sur les 5 piliers santé, qui inclut la santé mentale, ça serait pas étonnant qu'elle aborde. Bref, passons à la vérif, c'est parti. C'est quoi le collagène ? Le collagène est une protéine structurale qui constitue une part essentielle de la matrice extracellulaire, fournissant support et résistance à divers tissus du corps, tels que la peau, les os, les tendons et les cartilages. Cartilage, bien entendu. Le collagène est la protéine la plus abondante dans le corps humain, représentant environ 30% des protéines totales. Il existe au moins 28 types de collagène, mais les types U, 2, 3 et 4 sont les plus courants. Fonction du collagène. 1. Structure et soutien. Le collagène forme des fibres solides et flexibles qui renforcent les tissus et leur permettent de résister aux forces de traction. 2. Réparation tissulaire. Il joue un rôle crucial dans la cicatrisation des plaies et la réparation des tissus endommagés. 3. Hydratation et élasticité. Dans la peau, le collagène contribue à l'hydratation et à l'élasticité, réduisant l'apparition des rides. Pense au collagène comme à une charpente en acier pour un bâtiment. Il fournit la structure et le soutien nécessaires pour maintenir l'intégrité des tissus, tout comme la charpente soutient un édifice. Étymologie et histoire. Étymologie, collagène vient du grec colla, colle et gen, produire, signifiant littéralement producteur de colle. Nom en anglais, collagène. Imagine que le collagène est le ruban adhésif ultra résistant de ton corps. Il maintient tout en place, des os à la peau, et sans lui, tout s'effondrerait comme un château de cartes. Le collagène est utilisé en médecine pour des applications telles que les sutures chirurgicales, les greffes de peau et la régénération osseuse. Il est également populaire dans les produits cosmétiques et les compléments alimentaires pour améliorer la santé de la peau, des cheveux et des ongles. Culinaire. Le collagène peut être trouvé dans les aliments riches en gélatine, comme le bouillon d'os, les viandes en gelée et certains poissons. Ces aliments peuvent aider à soutenir la santé des articulations et de la peau. Sommeil. Un bon sommeil peut favoriser la production et la réparation du collagène, aidant ainsi à maintenir une peau saine et à réduire les signes de vieillissement. Activité physique. L'exercice régulier, en particulier les activités de mise en charge comme la musculation et la marche, peut stimuler la production de collagène et renforcer les tissus conjonctifs. Nutrition. La vitamine C est essentielle pour la synthèse du collagène. Consommer des aliments riches en vitamine C, comme les agrumes, les baies et les légumes verts, peut aider à soutenir cette production. Santé mentale. Le stress chronique peut affecter la production de collagène en augmentant les niveaux de cortisol, une hormone qui peut dégrader les protéines structurales. La gestion du stress est donc importante pour maintenir des niveaux de collagène sains. Santé environnementale. L'exposition aux rayons UV et aux polluants peut endommager le collagène de la peau, accélérant le vieillissement cutané. Utiliser des écrans solaires et éviter les environnements pollués peut aider à protéger le collagène. Le collagène diffère de l'élastine, une autre protéine de la matrice extracellulaire, par sa rigidité et sa capacité à fournir une résistance aux forces de traction, tandis que l'élastine donne aux tissus leur élasticité. Ne pas confondre le collagène avec le cartilage, bien que le collagène soit un composant principal du cartilage. Le cartilage est un tissu spécifique, tandis que le collagène est une protéine présente dans de nombreux types de tissus. Conclusion. Le collagène est une protéine structurale essentielle pour le maintien de l'intégrité et de la fonctionnalité des tissus corporels. Il joue un rôle crucial dans la santé de la peau, des os, des tendons et d'autres structures. Imagine un schéma montrant les fibres de collagène dans la peau et les tendons, illustrant comment elles renforcent et soutiennent ces tissus. Technique de mnémotechnie. Collagène, colle et soutien. Quel type d'aliments et de nutriments sont essentiels pour soutenir la production de collagène dans le corps ? Ah, ça c'est une super question. Ça tombe bien car je voulais justement te demander plus d'informations sur ça. Alors, je pense que tous les aliments d'origine animale, et notamment ce qui inclut os et cartilage en particulier, sont riches en collagène, mais je connais pas les autres aliments. Est-ce qu'il y a des végétaux qui sont enrichis en collagène ? Je pense qu'il y en a très peu et que... Moi, je pense là tout de suite comme ça, sans vraiment avoir étudié le sujet, qu'avec les milliers et les milliers de végétaux qui existent, il y en a au moins quelques-uns qui doivent avoir un certain taux de collagène, même si ça reste, je pense, bien inférieur aux aliments d'origine animale.
C'est hyper intéressant, les nutriments qui soutiennent la production de collagène. Tu as cité la vitamine C, qui apparemment, d'après ce que tu dis, est essentielle. Je trouve ça dingue. Ça fait encore une raison supplémentaire de consommer de la vitamine C. J'aimerais aussi que tu abordes toutes les substances que tu as dans ta base de données qui influenceraient positivement le collagène, s'il te plaît. Je suis sûr qu'il y a même des minéraux, par exemple, qui le soutiennent. Ta réponse est très bonne. Les aliments d'origine animale, en particulier ceux qui incluent os et cartilage, sont effectivement riches en collagène. Cependant, il existe d'autres nutriments et substances qui soutiennent la production de collagène. Aliments riches en collagène, origine animale. 1. Bouillon d'os, riche en gélatine, une forme dégradée de collagène. 2. Viande, surtout les morceaux avec du cartilage, comme les os à moelle et les pieds de porc. 3. Poisson. La peau et les arêtes de poisson sont de bonnes sources de collagène. Ah oui, poisson. Origine végétale. Les végétaux ne contiennent pas de collagène en soi, mais ils fournissent des nutriments essentiels à la production de collagène dans le corps. Nutriments et substances qui soutiennent la production de collagène. Vitamines et minéraux. 1. Vitamine C. Rôle essentiel pour la synthèse du collagène. Elle est un cofacteur pour les enzymes qui stabilisent et entrecroisent les molécules de collagène. Source: agrumes, fraises, poivrons, brocolis, épinards. Cuivre. Rôle: nécessaire pour la formation de liaisons croisées dans le collagène. Source: foie, fruits de mer, noix, graines, légumineuses. Zinc. Rôle: joue un rôle dans la synthèse des protéines et la division cellulaire, ce qui est crucial pour la formation du collagène. Source: viande rouge, fruits de mer, graines de citrouille, noix. Acide aminé. 1. Proline. Rôle: composant majeur du collagène. Proline, source, ouais. Viande, produits laitiers, œufs, soja, champignons. C'est 2. Connu, ça. Glycine. Rôle, un autre acide aminé essentiel dans la structure du collagène. Source, gélatine, viande, poisson, produits laitiers. 3. Lysine. Rôle, nécessaire pour la formation des liaisons croisées de collagène. Source, viande, légumineuses, viamène, produits laitiers, œufs. Autre composé. 1. Anthocyanine. Non. Rôle, antioxydant qui protège le collagène des dommages oxydatifs. Oh. Source, fruits rouges et violets comme les myrtilles, les framboises, les mûres. 2. Soufre. Rôle, nécessaire pour la synthèse du collagène. Source, ale, oignon crucifère, brocoli, chou-fleur. Chaque conclusion. Une alimentation riche en vitamine C, zinc, cuivre et les acides aminés proline, glycine et lysine est essentielle pour soutenir la production de collagène. Les aliments d'origine animale fournissent directement du collagène, tandis que les végétaux fournissent les nutriments nécessaires à sa production. Super, merci pour toutes tes infos. Mais dis-moi, si les animaux ont les os pour les maintenir et donc le collagène qui en découle, et que les végétaux ont les fibres, il est donc crucial pour les personnes ayant un régime végétal de se supplémenter en collagène. Ou bien, contrairement à la vitamine B12, une alimentation optimale, même avec un régime exclusif en végétaux, suffit largement à produire suffisamment de collagène. J'ai une petite question de curiosité. Étant donné que la gélatine est une substance dégradée de collagène, la gélatine de porc, bien que peu intéressante nutritionnellement parlant, est-ce qu'elle serait riche en collagène ou non, car elle est trop dégradée? Et pour finir, j'aimerais, une fois que tu m'auras corrigé, que tu expliques comment le collagène peut influer positivement sur la cognition, s'il te plaît. Régime végétal et production de collagène. Supplémentation en collagène. Contrairement à la vitamine B12, le collagène n'est pas indispensable sous forme de supplément pour les personnes suivant un régime végétalien, à condition qu'elles consomment une alimentation riche en nutriments essentiels à la production de collagène. Mmh. Une alimentation végétalienne équilibrée peut fournir tous les acides aminés nécessaires, ainsi que les vitamines et minéraux essentiels, comme la vitamine C, le zinc et le cuivre, pour soutenir la synthèse de collagène. Nutriments essentiels dans un régime végétalien. Vitamine C, agrumes, poivrons, brocolis, épinards. Proline et glycine. Légumineuses, soja, noix, graines. Cuivre, noix, graines, légumineuses. Zinc, légumineuses, graines, noix. Gélatine et collagène. Gélatine de porc. La gélatine est une forme partiellement hydrolysée de collagène, ce qui signifie qu'elle conserve de nombreux acides aminés présents dans le collagène, bien que sous une forme plus facilement digérée.
nutriments. Bien que la gélatine soit moins complexe que le collagène natif, elle reste riche en acides aminés essentiels pour la synthèse de collagène, comme la glycine et la proline. Okay. Utilisation. La gélatine de porc peut être une source utile de ces acides aminés pour soutenir la production de collagène dans le corps. Ouais, pas ouf. Collagène et cognition. Influence positive sur la cognition. Le collagène peut influencer positivement la cognition de plusieurs manières. 1. Intégrité structurelle du cerveau. Le collagène est présent dans les structures vasculaires du cerveau, aidant à maintenir l'intégrité des vaisseaux sanguins et assurant une bonne circulation sanguine. Une bonne circulation est cruciale pour fournir les nutriments et l'oxygène nécessaires aux neurones. 2. Barrière hématoencéphalique. Oh. Le collagène contribue à la structure de la barrière hématoencéphalique, protège le cerveau des toxines et des agents pathogènes. Une barrière intacte est essentielle pour une fonction cognitive optimale. Hyper important ça. 3. Réduction de l'inflammation. Le collagène a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation systémique, y compris l'inflammation neurogène. L'inflammation chronique est associée à des troubles cognitifs et à des maladies neurodégénératives. 4. Soutien des neurotransmetteurs. Les acides aminés provenant de la dégradation du collagène, comme la glycine, agissent comme neurotransmetteurs ou cofacteurs dans la transmission synaptique, influençant directement la communication entre les neurones et améliorant les fonctions cognitives. Conclusion. Les personnes suivant un régime végétalien peuvent soutenir la production de collagène par une alimentation riche en nutriments essentiels. La gélatine, même de source comme le porc, reste une bonne source d'acides aminés nécessaires à la synthèse du collagène. Le collagène joue un rôle important dans le soutien de la cognition par le maintien de l'intégrité structurelle du cerveau, la réduction de l'inflammation et le soutien des neurotransmetteurs. Ok les petits loups, alors là, on a plein d'informations intéressantes. Déjà, tout d'abord, j'ai noté de faire une flashcard sur les différents types de collagène, car il y en a une vingtaine, je ne sais plus exactement combien. Alors, je vous dis ça tout de suite. 28. Il existe au moins 28 types de collagène différents. Mais d'après ce que nous dit l'IA, ce sont les 4 premiers qui sont les plus courants. Donc là, je pense qu'on a de quoi rentrer dans les détails vraiment en profondeur au fur et à mesure du temps. Ça peut être un très long sujet, quasi interminable, je pense. Découvrir ces moindres détails et les lier avec d'autres sujets hyper importants, étant donné que, comme on vient de le voir, ça représente un peu plus de 30% des protéines de notre organisme, c'est ouf. Bien que, comme l'IA nous l'a rappelé, dans la gélatine de porc, il y ait à la fois un peu de collagène, même s'il a été dégradé via sa forme gélatineuse, et qu'il contienne aussi quelques acides aminés, notamment la glycine et la proline à des quantités plutôt intéressantes. À mes yeux, si un individu veut avoir un apport intéressant en glycine et en proline, c'est pas du tout le meilleur apport, même en collagène en soi, mais bref, ça c'est à titre personnel. Là où j'ai été vraiment étonné, c'est au niveau de son soutien, au niveau de la barrière hématoencéphalique. J'y avais pas du tout pensé, hein, étant donné que son rôle au collagène est vraiment basé sur la structure des tissus conjonctifs, et ben oui, ça soutient la barrière hématoencéphalique. Et ça vraiment, les amis, je pense que c'est une des choses les plus importantes, hein. Qu'on vient de voir en tout cas. C'était pas là, mais c'est une des choses les plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment sous-estimée, la barrière hématoencéphalique. C'est quand même une des rares protections que notre cerveau si fragile a pu mettre en place au fur et à mesure de l'évolution. Donc il faut la soutenir, cette barrière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, vous avez entendu, hein, le côté soutien cognitif est quand même aussi très présent. Hein. De toute façon, dès lors où on sait que le collagène est tant présent dans notre organisme, on se doute bien que ça a un impact très significatif pour notre santé. Donc, à mes yeux, là où il faut mener toute son attention, c'est vraiment sur la synthèse de collagène et non la consommation de collagène, bien que les deux sont intéressants. Je suis vraiment attiré par la synthèse, et d'ailleurs, je ferai en sorte que la prochaine fois qu'on fasse des flashcards dessus, qu'on tombe, comme je l'ai dit, sur les différents types de collagène, c'est hyper intéressant, intriguant, mais aussi qu'on appuie vraiment sur la synthèse de ce collagène,
Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne consomment pas de viande, donc qui ont toujours une synthèse de collagène, mais qui n'ont pas un apport, comment dire, brut de collagène. Alors, l'IA nous cite vite fait quatre nutriments essentiels, mais c'est très schématisé, hein. L'IA, de toute façon, une de ses grandes spécialités est de schématiser, de vulgariser. Donc là, elle nous cite vitamine C, deux acides aminés et deux minéraux. Elle dit que c'est les plus importants, il y en a sûrement d'autres, qu'on verra à l'avenir, ne vous en faites pas. Mais là, ce que je peux constater tout de suite, c'est qu'on peut vite ne pas assez produire de collagène chez les personnes omnivores ou carnivores, parce que oui, ça existe. Ça ne pose pas de problème, étant donné qu'il y a un apport brut supplémentaire. Mais chez les personnes qui ne consomment que des produits d'origine végétale, si la synthèse est mal faite, c'est plutôt inquiétant en soi. Alors, la vitamine C, c'est vrai que elle est vraiment pas à négliger, mais là où c'est inquiétant, je trouve, c'est que même s'il y a un des plus grands mythes de la nutrition qui dit que les personnes qui ne consomment pas de viande n'ont pas assez de protéines, voire pas de protéines complètes, même si c'est un mythe, on peut tout de même avoir une partie de la population végane, végétalien, flexitalien, etc., qui à la fois pourraient être susceptibles de ne pas avoir une protéine complète dans leur alimentation s'ils ne font pas attention. Donc la problématique principale, c'est ne pas avoir les acides aminés essentiels. Mais après, on a tout le cercle vicieux, j'ai envie de dire, qui se crée en fait. Et dans le cas du collagène, c'est le manque de proline et de glycine qui sont les acides aminés nécessaires à la production à la synthèse de collagène. Donc, comme on l'a abordé un petit peu avec l'IA tout à l'heure, l'avantage, contrairement à la vitamine B12, c'est qu'il y a beaucoup plus de solutions. Donc je suis vraiment content d'avoir révisé ça avec vous. C'est vraiment une flashcard importante et je trouve aussi à intégrer dans notre mallette à outils spéciale vegan, végétalien et tout ça. Bref, je m'arrête là sinon je pense qu'on pourra en parler trop longtemps. Ça fait déjà je sais pas combien de temps que je parle. Donc passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi des bêta et alpha-glucans? Alors, je sais pas du tout ce que c'est les bêta et alpha-glucanes, ne serait-ce que des composés chimiques, en tout cas présents dans de nombreux champignons, donc règne des fungi. Et je crois même que ces familles, on va dire, de bêta-glucanes et alpha-glucanes incluent énormément de composés biochimiques. Je crois qu'on a le HACC. Ou HACC. Je connais pas trop hein, ce composé chimique. Je sais juste qu'il est utilisé dans certains compléments alimentaires, voire peut-être dans des cas cliniques. Mais voilà, c'est très 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 flou. Pour être franc, j'ai entendu parler de ces composés bêta et alpha-glucane sur une vidéo de culture de champignons. Donc vraiment hâte d'en apprendre plus. On va passer tout de suite à la vérif. Pour pas que ça fasse une flashcard trop longue, et puis aussi parce que je sais pas quoi acheter de plus. Donc c'est parti, vérification. C'est quoi des bêta et alpha-glucans? Les bêta-glucanes et les alpha-glucanes sont des types de polysaccharides constitués de molécules de glucose reliées par des liaisons glycosidiques. Ils diffèrent par la structure de leurs liaisons, ce qui leur confère des propriétés distinctes. Ah oui, polysaccharides. Bêta-glucanes, structure. Les bêta-glucanes sont des polysaccharides où les molécules de glucose sont reliées principalement par des liaisons bêta-1,3 et bêta-1,4. Source. On les trouve principalement dans les parois cellulaires des céréales comme l'avoine et l'orge, ainsi que dans certains champignons et levures. Propriétés et bienfaits. Immunomodulation. Ah oui. Les bêta-glucanes peuvent stimuler le système immunitaire en activant les macrophages et les cellules NK, Natural Killer. Réduction du cholestérol. Ils peuvent réduire les niveaux de cholestérol LDL et améliorer la santé cardiovasculaire. Effet prébiotique. Les bêta-glucanes servent de nourriture aux bonnes bactéries intestinales, soutenant ainsi la santé digestive. Alpha-glucanes. Structure. Les alpha-glucanes sont des polysaccharides où les molécules de glucose sont reliées principalement par des liaisons alpha-1,4 et alpha-1,6. Okay. Source. Les exemples courants incluent l'amidon, présent dans les plantes, et le glycogène, présent dans les animaux. Propriétés et bienfaits. Stockage d'énergie. L'amidon et le glycogène sont des formes de stockage d'énergie.
L'amidon est la principale réserve d'énergie dans les plantes, tandis que le glycogène sert de réserve d'énergie chez les animaux et les humains. Nutrition. Les alpha-glucanes sont une source importante de glucose, fournissant de l'énergie pour les activités cellulaires. Pense aux bêta-glucanes et aux alpha-glucanes comme à des chaînes de perles, glucose, où les perles sont reliées différemment. Les liaisons bêta rendent les chaînes rigides et résistantes, comme une corde, tandis que les liaisons alpha permettent une structure plus flexible et facilement décomposable, comme un ressort. Étymologie, glucane vient de glucose, indiquant que ces polysaccharides sont constitués de molécules de glucose. Nom en anglais, bêta-glucan et alpha-glucan. Imagine les bêta-glucanes comme les super-héros de ton système immunitaire, toujours prêts à combattre les envahisseurs, tandis que les alpha-glucanes sont comme les batteries rechargeables de ton corps, stockant et libérant de l'énergie quand tu en as besoin. Bêta-glucane, immunothérapie, utilisée dans des suppléments pour renforcer le système immunitaire. Gestion du cholestérol, intégrée dans des aliments fonctionnels pour réduire le cholestérol. Intéressant, ça. Santé digestive, ajoutés aux produits alimentaires pour leurs effets prébiotiques. Alpha-glucane. L'amidon est une composante clé de l'alimentation humaine, fournissant une source d'énergie essentielle. Sport et exercice. Le glycogène est crucial pour les athlètes, car il constitue une réserve d'énergie rapide pour les muscles. Culinaire. Les bêta-glucanes se trouvent dans des aliments comme l'avoine et l'orge, qui peuvent être utilisés pour faire des flocons d'avoine, des soupes et des pains. Les alpha-glucanes se trouvent dans les pommes de terre, le riz et les pâtes, qui sont des sources courantes de glucides dans de nombreux régimes. Sommeil. Un apport adéquat en glucides, alpha-glucanes, peut aider à maintenir des niveaux d'énergie stables, favorisant un sommeil réparateur. Activité physique. Les alpha-glucanes, sous forme de glycogène, fournissent une énergie rapide pour les muscles pendant l'exercice. Les bêta-glucanes peuvent aider à la récupération en soutenant le système immunitaire. Nutrition. Une alimentation équilibrée contenant à la fois des bêta-glucanes et des alpha-glucanes est essentielle pour la santé globale. Les bêta-glucanes soutiennent le système immunitaire et la digestion, tandis que les alpha-glucanes fournissent de l'énergie. Santé mentale. Un bon équilibre nutritionnel incluant des glucides complexes, alpha-glucanes et des fibres, bêta-glucanes, peut aider à stabiliser la glycémie, influençant positivement l'humeur et la fonction cognitive. Santé environnementale. La culture de céréales riches en bêta-glucanes, comme l'avoine, et de plantes riches en amidon, comme les pommes de terre, peut être durable et bénéfique pour l'environnement si elle est pratiquée de manière responsable. Bêta-glucane versus alpha-glucane. Les bêta-glucanes sont principalement impliqués dans la modulation immunitaire et la santé cardiovasculaire. Les alpha-glucanes sont principalement des sources de stockage d'énergie. Ne pas confondre les bêta-glucanes avec les bêta-glucanes médicinaux utilisés comme immunostimulants. Bien qu'ils aient des effets similaires, les formulations peuvent différer. Conclusion. Les bêta-glucanes et les alpha-glucanes jouent des rôles distincts mais complémentaires dans la nutrition et la santé. Les premiers soutiennent le système immunitaire et la santé cardiovasculaire, tandis que les seconds fournissent de l'énergie essentielle. Imagine un schéma montrant une chaîne de bêta-glucane et une chaîne d'alpha-glucane, illustrant les différences de structure et leurs effets sur la santé. Mnémonique, bêta pour booster immunité, alpha pour alimentation, énergie. Quels sont les rôles principaux des bêta-glucanes et des alpha-glucanes dans le corps? Alors, le bêta-glucane, comme tu viens de le dire, a vraiment un rôle intéressant en immunologie et en microbiologie, voire même dans la gestion du cholestérol. Je pense qu'il doit sûrement avoir certains stérols qui contribuent à la gestion du cholestérol global de l'organisme. L'alpha-glutane, quant à lui, il a l'air d'être plus une source d'énergie potentiellement rapide, donc quand même à utiliser avec précaution. D'ailleurs, on est d'accord que même si les champignons communs ont plus de bêta-glucane, ils contiennent aussi... pas mal d'alpha-glucane, non? Oui, ta compréhension est très bonne. Voici quelques précisions supplémentaires pour clarifier certains points. Rôle des bêta-glucanes et des alpha-glucanes. Bêta-glucane, immunomodulation, stimulation du système immunitaire en activant les macrophages et les cellules NK. Gestion du cholestérol, réduction des niveaux de cholestérol LDL et amélioration de la santé cardiovasculaire. Les bêta-glucanes peuvent se lier aux acides biliaires dans l'intestin, réduisant l'absorption du cholestérol. Effet prébiotique.
support des bonnes bactéries intestinales. Alpha-glucane, source d'énergie. L'amidon, dans les plantes, et le glycogène, dans les animaux, servent de réserve d'énergie. L'amidon se décompose en glucose pour fournir de l'énergie rapide, ce qui peut être utile mais doit être consommé avec modération pour éviter les pics de glycémie. Stockage de l'énergie. Le glycogène est stocké dans le foie et les muscles pour une utilisation rapide lorsque le corps en a besoin. Champignons et glucanes. Les champignons contiennent principalement des bêta-glucanes, qui sont responsables de leurs propriétés immunomodulatrices. Cependant, ils contiennent également des alpha-glucanes, mais en moindre quantité. Les alpha-glucanes dans les champignons peuvent contribuer à leur valeur nutritionnelle en fournissant de l'énergie. Composition des glucanes dans les champignons. Bêta-glucanes, présents en quantité significative, contribuant aux effets bénéfiques sur le système immunitaire et la gestion du cholestérol. Alpha-glucanes, présents mais généralement en quantité moindre, contribuant à la fourniture d'énergie. Conclusion. Les bêta-glucanes et les alpha-glucanes jouent des rôles distincts mais importants dans la santé humaine. Les bêta-glucanes sont particulièrement bénéfiques pour le système immunitaire et la gestion du cholestérol, tandis que les alpha-glucanes sont principalement une source d'énergie. Ok. Donc là, je suis en train de me rendre compte que cette flashcard était vraiment faite pour décortiquer un peu plus qu'étaient les glucanes, en prenant l'exemple du bêta et du alpha. Mais je vais faire en sorte quand même de séparer ces deux glucanes qui ont des effets bien distincts l'un à l'autre et qui serait bon de détailler indépendamment. Donc j'ai noté de mon côté d'en faire des flashcards spécifiques et de ne pas les mélanger, bien qu'on peut retrouver les deux dans les champignons. En fait, c'est pour ça que j'avais eu l'idée d'en faire une flashcard. Mais en fait, ce qui serait mieux, c'est de faire des flashcards spécifiques pour chaque glucane et pourquoi pas intégrer des champignons comme exemple d'aliments significatifs et intéressants. Et si vous voulez tout savoir, c'est vraiment les bêta-glucanes qui m'intéressent. Et concernant les alpha-glucanes, comme l'amidon, on avait fait une flashcard dessus, donc n'hésitez pas à la consulter si ça vous intéresse. Voilou. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao.